Versé par la misère, des larmes on a versé. Issu des banlieues sales, je suis contraint à percer. Échec scolaire, grosse galère. L'argent fait pas le bonheur, encore moins la misère.
Yeah, allô le ciel, ici la terre. Envoyez du renfort ou je vais finir si tu es sous terre. Ils veulent pas qu'on grimpe, ils veulent nous voir désister. Le loup est dans la bergerie, fais gaffe à tes amitiés. Je sais qu'on va y aller, mon gars, no stress. À tous ceux qui nous soutiennent, God bless. Arrête un peu l'illusion, il faut que t'aies de l'ambition. C'est pas Jean-Pierre Foucault qui te fera gagner des millions. Faut qu'on agisse, et ça tout de suite. N'attends pas que la route tourne, ça dans le tournis. Sacrifié pour réussir, est-ce que t'es chiche? A toute la FJF, tu chupitiche. Victime de moi, poil les ongles et part de moi. Mais vont souffrir, ça compléterait leur joie. Mais moi j'avance, car je sais en qui je crois. Nous on baissera pas les bras, car on veut finir en top niveau. L'expérience c'est la gloire d'une personne âgée. Mais la force fait du jeune un homme des projets. Pendant que tu perds ton temps en train d'y miauler, ressaisis-toi mon frère, dans la vie faut s'accrocher. Malgré les faux amis qui essayent de nous dérouter, mais faut leur dire que tout leur plan sera sans effet. Ils veulent essayer, nous piétiner. Ils oublient qu'avant de nous tester, ils vont passer par lui. Passer par qui? Par celui qui capacite le faible, il fait de lui une élite. Veux-tu le connaître? Viens, viens, c'est ce qu'on fait. Dans la FJF, ne pas réussir, n'est pas riche. C'est ce qu'il y a de plus atroce. N'a pas en nous apprend que l'élève peut dépasser le prof. Sois un conquérant de la vie et tu rouleras en Porsche. Victime de main, voilà les envieux par de moi. Mais vont souffrir, ça compléterait leur joie. Mais moi j'avance, car je sais en qui je crois. Nous on baissera pas les bras, car on veut finir en top niveau. Faut que l'heure a sonné, t'attendre les sommets. Quand on sera au top, ne sois pas étonné. Va falloir résister, je ne peux pas désister. Foncer vers le tas, on va pas hésiter. Nouvelle ère, tu connais, fais pas genre t'es choqué. Sur la route du succès, ils veulent nous parchoquer. Ils veulent nous boycotter, nous mettre sur le côté. Mais la FIF finira en beauté. Dans la révolte, finis l'humiliation. Grandissez votre vision. Prends des attitudes, manifeste ta foi. Pour être au top niveau 2013, ça promet. La nouvelle ère, tu seras transformé. FIF, nouvelle apogée. Soyez en sûr, on va prospérer. On prospère, on s'élève. Histoire de se mettre à l'aise. N'oublie pas que le prof sera dépassé par l'élève. Confirmé, approuvé, tout ce que t'as dit c'est vrai. Dans tout ce qu'on fait on doit assurer, pour qu'on puisse se surpasser. Surpasser les montagnes, n'importe quel obstacle. La solide sur tes jambes, car la vie nous met des tacles. Assimile et pratique, le cours était basique. Révise bien ta leçon, car ce n'est pas une critique. Victime de main, voilà les envieux parlent de moi. Ils vont souffrir, ça compléterait leur joie. Mais moi j'avance, car je sais en qui je crois. Nous on baissera pas les bras, car on veut finir en top niveau.
toujours plus fort que la peur. Si tu remets la terre, on a les mots d'esprit. Sans à toi, oh Seigneur, avant de te promettre, que j'éviterai ta belle peur, pour le plus loin de tes bras. Je veux te louer, je veux proclamer ta splendeur, ton amour, ta grandeur. Donc je laisse te voir le monde de la FGM. Donc merci à tous les amis. Merci à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le trophée, c'est pas pour les vendre, c'est pour toute l'équipe de basketball de la FGF. Thank you.
Je m'appelle Gérald, je suis parti de la FGF depuis un an et demi. Avant d'arriver à la FGF, j'ai vécu une enfance comme tous les enfants, une bonne enfance. J'ai bien profité de mon enfance, tout se passait bien, j'avais tout ce que je voulais, comme j'étais de la famille, j'étais gâté. Après mon déménagement et après le divorce de mes parents, ma vie a commencé à se gâter. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Je suis devenu complexé par rapport à ma situation parce que le fait de voir que ma famille était décomposée, ça me rendait triste en fait. Et j'admettais pas que mes parents se soient divorcés. Et je gardais de la haine et de la rancune par rapport à ça, de m'avoir laissé comme ça dans cette situation. Et en grandissant, plus le temps passait, plus je me renfermais sur moi-même. Et la seule façon que j'avais trouvée pour cacher tous mes défauts, toutes les choses qui n'allaient pas dans ma vie, j'ai commencé à mentir. Alors au début, c'était des petits mensonges. Et quand je voyais que ça n'avait pas de conséquences et que les gens à qui je parlais, ils me croyaient, et j'ai continué à mentir. Et ça a commencé à augmenter de plus en plus. Et après, une fois que j'ai intégré le centre de formation d'un club professionnel, j'ai eu des mauvaises compagnies. C'est-à-dire que moi, j'étais resté le Gérald calme, gentil, mais pour plaire aux autres, j'ai eu beaucoup d'apparence. C'est-à-dire que je reprenais les mêmes codes vestimentaires qu'eux, j'adoptais le même langage qu'eux, juste pour me faire accepter, pour ne pas me sentir exclu de ce groupe. Et comme on vivait tout le temps ensemble, les mensonges ont fait que d'empirer. C'est-à-dire que plus je passais du temps avec eux, plus je mentais. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir honte de moi. C'est-à-dire que quand j'étais avec eux, je rigolais, je montrais que j'étais une bonne personne, que j'étais dans le même délire qu'eux. Mais le truc, c'est que quand je rentrais chez moi, j'avais honte de moi. Je me disais, mais pourquoi je suis obligé de mentir, de raconter quelque chose qui ne me correspond pas, juste pour plaire aux autres. Et pour moi, c'était la seule solution de me faire accepter. Et donc j'ai continué comme ça pendant quelques temps, quelques années, jusqu'au jour où j'ai intégré la FGF. Sacrifié pour réussir, est-ce que t'es chiche à toute la FGF, tu chupitiche, victime de moi. Depuis ce jour, à partir du moment où je suis rentré, il y a des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui ont su m'orienter, qui m'ont conseillé et qui m'ont surtout redonné confiance en moi. Et j'avais plus cette peur du regard des autres. J'avais plus besoin de plaire aux autres, de satisfaire mes amis, tout mon entourage pour passer pour quelqu'un que je n'étais pas. Là, on m'a enfin montré l'opportunité et comment surtout de rester moi-même. Et j'ai enfin pu dire que je suis moi-même. J'ai enfin pu dire que tout ce qu'on m'a apporté, toutes les choses qu'on a pu me donner, toutes les choses qu'on a pu me transmettre, ça m'a permis d'avoir plus d'assurance en moi. Et ça a eu un très grand impact dans ma vie. Et depuis que je suis à la JF, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai plus besoin du regard des autres pour me sentir bien, ou aimé, ou apprécié. J'ai plus besoin de mentir, et je me sens bien avec moi-même. Et j'ai surtout aussi la chose la plus importante que j'ai faite, c'est que j'ai pardonné à mes parents. Voilà.
Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble dans la rubrique sport. Et oui, on le sait, les awards, Color Block, aujourd'hui on est dans la tenue. Et on a pu voir justement beaucoup de récompenses, que ce soit au niveau du football, du basketball. Tout plein de récompenses qui justement ont résumé toute cette année qui s'est passée, puisqu'il y a eu plusieurs compétitions, comme je l'ai dit, au niveau du basketball, du football. Et aujourd'hui, nous, on va s'intéresser un peu plus au football. Pourquoi ? Parce qu'on a un invité assez spécial. Un invité qui a, lui, reçu un FJF Award qui lui vaut le prix du meilleur joueur 2013. Lui qui est gardien et mon joueur sur le champ, il sait quoi faire avec ses mains et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Dieu merci. Bonjour, Cédric. Alors, comment ça va ? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, comme je vois, tu es venu avec ton award. Donc on aimerait savoir un peu, quelle a été ta réaction quand justement tu as entendu ton nom, tu as vu ton image sur l'écran, tu étais celui qui allait recevoir cet award ? Non, mais sincèrement, je ne m'y attendais pas. Parce que le fait d'entendre ça, d'entendre mon nom, je savais que j'étais nominé. Mais le fait que j'ai entendu seulement mon nom, j'étais dans la joie. C'était la joie. Donc voilà, je ne m'y attendais pas du tout. C'était une surprise en fait. Bah c'est bon. C'est sûr que c'était une vraie surprise parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de talent. Mais bon, vu que tu l'as reçu, c'est que forcément tu t'es préparé. Mais nous, on aimerait savoir quel a été le secret en fait. Bon, le secret, c'est que nous, personnellement, je dis nous, l'équipe, le secret, ça a été le sacrifice. Je dirais ça comme ça. Pourquoi ? Parce que je me rappelle des moments où on s'est entraîné, des moments d'entraînement, on est obligé de nous lever le matin. Et l'investissement aussi, vu que je suis gardien, je m'investis tout seul aussi. Ça veut dire que je travaille tout seul et ça a été des moments difficiles pour moi. Donc aussi, ce que je vais dire, c'est qu'un joueur, j'ai développé en moi la confiance pour ça. Donc je vais dire aussi, si un joueur n'a pas de confiance en lui sur le terrain, il a 95% de chances de perdre. C'est un peu tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Hein. Voilà, donc nous sommes avec Dieu merci. Donc je te remercie d'être venu avec nous. Et je vous dis à très bientôt, puisqu'il y a bientôt la compétition de football qui va commencer ici en Ile-de-France et même dans toute la France, puisque toutes les FJF sont impliquées. Donc on espère que, à travers, par exemple, ce petit secret qu'il nous a délivré, que peut-être que l'année prochaine, ce sera toi qui pourras recevoir cet award. Donc je te dis à la prochaine dans la rue Sport.
Woo!